Aux élus de l'équipe 2014-2020 ont succédé les conseillers élus le 15 mars dernier pour un mandat de 6 ans. Depuis 2 mois, les conseillers sortants et plus encore les membres du bureau municipal se sont mobilisés pour assurer leur mission de service public dans ce contexte de pandémie qui a évidemment bouleversé les fonctionnements habituels. Merci à l'exécutif de m'avoir largement soutenu et aidé pour faire face. Nos services ont aussi continué à assurer leurs tâches, tout particulièrement en accueillant les enfants des familles prioritaires. L'échelon de proximité a joué pleinement son rôle. Aux nouveaux élus, je souhaite la bienvenue. Comme tous vos prédécesseurs, vous aurez sûrement à cœur de vous investir collectivement au bénéfice des Quévertois. Alors pour cette séance, vous avez reçu une convocation qui vous a été adressée le 18 mai 2020, donc en fonction des délais légaux bien évidemment. Je vais rappeler le nom des candidats élus dans pour ce nouveau conseil. Donc ont été élus Philippe Landuré, Catherine Deniel, Michel Roland, Sylvie Lenné, Francis Adnaud, Mariam Aboumeri, Yannick Lucas, Marie-Laure Michel, Olivier Foucras, Sophie Chevalier, Joseph Brault, Mélanie Rio, Didier Le Sécher, Nathalie Bonnevourier, Christophe Leclerc, Françoise Léos de Trémel, Dimitri Géa, Mélanie Dequet, Julien Chailloux, Valérie Brugalet, Arnaud Aubeau, Anne Charrier, Jean-Luc Allory, Marie-Renée Hervé, Michel Mousseau, Brigitte Juguet-Fournier et Antoine Deguin. Aucune démission n'a été à cette heure déposée et donc je constate que le conseil municipal est au complet. Je déclare que vous êtes installé dans les fonctions de conseillers municipaux. Je vous donne lecture de l'ordre du jour de la séance et je vous rappelle qu'aucune autre question ne peut y être ajoutée. Alors l'ordre du jour, donc il y a 5 affaires. La première affaire, ce sera l'élection du maire. La deuxième affaire concernera la détermination du nombre d'adjoints. En troisième affaire, il y aura l'élection des adjoints au maire. En quatrième affaire, la validation de l'urgence d'une délibération. Et la cinquième et dernière affaire concernera les délégations du conseil municipal au maire. Nous avons besoin d'un secrétaire de séance, donc je vous propose de procéder par ordre alphabétique. Et donc la première personne par ordre alphabétique est Madame Mariam Aboumeri. Donc l'ordre alphabétique du tableau. Madame Aboumeri, vous acceptez d'être secrétaire de séance? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une objection pour que Mariam soit secrétaire de séance? Tout le monde est d'accord? On pourrait le voter à main levée, mais s'il n'y a pas d'objection, on va poursuivre. Et maintenant, donc, je vais céder la place à la personne la plus âgée. Je suis désolée de le dire ainsi, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça. La plus âgée des membres présents du conseil municipal. Donc, il s'agit de Madame Marie-Laure Michel. Et je me retire. Bonne séance. Alors, auparavant, je vous montre que je laisse donc au suivant ou à la suivante les objets qui étaient importants, donc le téléphone qui a été désinfecté et le pass général de la commune qui a également été désinfecté, donc il n'y a pas de souci. Et je vais également quitter les chats.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux présents dans l'ordre de présentation sur les listes. S'il s'avère que vous avez des procurations, vous serez gentil de m'en faire part. Philippe Landuré. Présent. Catherine Deniel. Présent. Michel Roland. Présent. Sylvie Lenné. Présent. Francis Adnaud. Présent. Mariam Aboumeri. Présent. Yannick Lucas. Présent. Marie-Laure Michel, présente. Olivier Foucras. Présent. Sophie Chevalier. Présent. Joseph Gros. Présent. Mélanie Rio. Présent. Didier Le Sécher. Présent. Nathalie Bonouvrier. Présent. Christophe Leclerc. Présent. Françoise Léa Strémel. Présent. Dimitri Géa. Présent. Mélanie Dequet. Présent. Julien Chailloux. Présent. Valérie Brugalet. Présent. Arnaud Aubo. Présent. Anne Charré. Présent. Jean-Luc Calori. Présent. Marie-Renée Hervé. Présent. Michel Mousseau. Absent et je sens que vous avez dit quoi. D'accord. Brigitte Juguet-Fournet. Présent. Antoine Deguin. Présent. Alors, je vais vous faire circuler la feuille en vous demandant de signer chacun en face de votre nom, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent déjà le système. Je suppose que vous avez tous apporté vos stylos. Si toutefois quelqu'un n'a pas de stylo, nous en avons à disposition. Bon, c'est bien. Tout le monde a son stylo. Alors, le quorum étant atteint, je vous invite à procéder à l'élection du maire et je vous rappelle d'abord le déroulement du vote. En application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Parmi les membres de cette assemblée, je demande qui est candidat au siège de maire. Je suis candidat. Je note, M. Philippe Landuré est candidat. Je suis candidate. Madame Anne Charré est candidate. Nous allons constituer le bureau électoral. Celui-ci doit être constitué d'au moins deux assesseurs. Pour cette élection du maire, il y aura un représentant du groupe majoritaire et deux représentants issus des deux minorités. Il est de coutume que le bureau soit constitué des plus jeunes conseillers. Dimitri Géa représentera le groupe majoritaire, Anne Charré représentera une des minorités et M. Deguin représentera l'autre minorité. Ah oui, excusez-moi, vous. Donc ce sera M. Allori. Ce sera Madame Julie. Ah ! J'avais les chances de passer tout le monde en revue. Parfait. Compte tenu des normes sanitaires liées au Covid-19 et afin de limiter les déplacements, nous procéderons de la façon suivante. Deux assesseurs resteront à leur place et veilleront à ce que chacun dépose son bulletin dans l'urne, ainsi que celui des pouvoirs le cas échéant. Un assesseur, muni de gants, présentera l'urne ouverte à chaque personne qui y déposera son bulletin de vote et celui de son pouvoir. Madame et messieurs les assesseurs, à l'issue du vote de toutes les personnes, pourront voter. De la même façon, un des assesseurs distribue le papier, de la même façon, l'ordre passera de temps.
Quel est lequel des trois assesseurs qui a envie de distribuer les papiers pour le vote? Très bien, madame. Alors, ils sont là. Vous allez pouvoir venir ici, s'il vous plaît. Avec la chaleur, les mains sont noires. Je donne un par personne. Dimitri, est-ce que tu peux venir prendre l'urne et la proposer à chacun pour que chacun puisse voter, s'il te plaît? Oui, tu es obligé de mettre des gants, même s'ils sont un peu petits. Ah, il y a deux tailles, pardon. Voilà, le dernier conseiller ayant voté, madame et messieurs les assesseurs, veuillez procéder immédiatement au dépouillement des bulletins de vote.
Monsieur Deguin, voulez-vous venir pour accompagner Jérémy? Vous avez les gants derrière vous sur l'estrade. Et Madame Juliette Fournet, vous allez être amenée à revenir également. Alors, Jérémy, veux-tu retourner l'urne de façon à ce que les bulletins puissent être comptés, s'il te plaît? C'est pas Jérémy, c'est Dimitri. Oh, tu peux la mettre en dessous, s'il y a de gêne. Monsieur Deguin, est-ce que vous voulez compter les bulletins, puis madame va vérifier avec vous? Simplement les compter pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Le compte est bon. Alors, qui veut bien déplier les bulletins et annoncer, madame, à vous, vous allez déplier les bulletins, vos deux assesseurs vont regarder ce que vous lisez, vous annoncez le nom tout haut, s'il vous plaît. Anne Charret, Philippe Landuré, Anne Charret, Philippe Landuré, Philippe Landuré, Anne Charret, Philippe Landuré, Philippe Landuré, Philippe Landuré, Anne Charret, Philippe Landuré, 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 Anne Charret. Merci. Alors, aucun bulletin blanc, puisqu'à chaque fois, vous avez lu le nom de la personne écrite sur le bulletin. Donc, Philippe Landuré, 22 votes. Madame Charret, 5 votes. Je vous donne les résultats et je proclame M. Philippe Landuré élu au poste de maire de cette bonne ville de Quévert. Monsieur le maire, c'est avec plaisir que je vous propose de prendre cette place en qualité de maire de la commune de Quévert. C'est avec plaisir que je vais vous remettre ce cordon qui vous certifie dans ce rôle-là. Alors, tu me mets. On mettra la fin. Non, tu le mets maintenant. Le bleu en haut, le rouge en bas. Bah oui. C'est presque ça.
Voilà. Bravo. Bien, je vous remercie pour ce vote. On aura l'occasion tout à l'heure d'évoquer plus amplement le début de ce mandat. Mais avant de démarrer les affaires, il est de tradition maintenant, pour peut-être cette première fois, que le maire élu lise pour chaque élu de ce conseil municipal la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après cessation de ce mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, on va pouvoir passer à la quatrième affaire, hein, qui est la fixation du nombre des adjoints. Et donc, c'est notre deuxième affaire pour ce qui est du maire actuel. Donc, avant de procéder à l'élection, il convient de déterminer le nombre de postes d'adjoints que l'on crée. Donc, les textes de référence étant les articles L21-22-1 et L21-22-2 du CGCT, hein, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Et en l'application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints. Au vu de ces éléments, et on aura l'occasion de le détailler par la suite, je propose au vote que nous procédions à main levée pour le choix d'un nombre de 7 adjoints. Donc, bon, là, on peut passer au vote. Donc, c'est un vote qui, normalement, se fait à main levée. Donc, je demande qui est pour la désignation d'un nombre de 7 adjoints. Okay. Il y a unanimité sur la désignation de 7 adjoints. Pas de vote contre ni abstention. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons prononcer une suspension de séance
qui va permettre à la lecture de l'article. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc on va pouvoir faire une petite suspension de séance qui permettra donc aux personnes qui sont candidates au poste d'adjoint de se déclarer en venant donc par l'intermédiaire de la tête de liste se présenter, donc présenter un bulletin de vote correspondant. Normalement, c'est une suspension qui peut durer 10 à 15 minutes. On a eu cet échange préalable avec les trois têtes de liste en disant que à partir du moment où chacun d'entre nous indiquait qu'il était prêt à voter, eh bien on pouvait réduire ce temps de suspension de séance. Donc là, on suspend la séance, oui, sur 5 minutes, et puis au moment où vous nous direz que vous êtes prêt, on pourra repartir, d'accord. Donc, il n'y aura pas de proposition. Ouais. On se donne le temps nécessaire à des candidats potentiels donc d'établir la liste des sept membres. L'adjoint candidate a été présenté pour l'attention de Monsieur le maire Philippe Landuré. Donc Catherine Deniel en tête de liste de premier adjoint, Michel Roland deuxième adjoint, Sophie Chevalier troisième adjoint, Francis Adnaud quatrième adjoint, Sylvie Lenné cinquième adjoint, Olivier Foucras sixième adjoint et Mélanie Rio septième adjoint. Donc, on a entendu qu'il n'y avait pas d'autres présentations de liste. À ce moment-là, est-ce qu'on peut reprendre la séance? Peut-être qu'on va laisser le temps à Marianne, notre secrétaire des séances, de saisir la liste des adjoints. Donc on peut reprendre la séance. Le vote se déroulera dans les mêmes conditions que l'élection du maire, à savoir un bulletin manuscrit sur lequel figurera uniquement le nom de la première de liste, à savoir Catherine Deniel, ou un bulletin blanc si vous le désirez. On peut peut-être procéder de la même façon, avec une distribution des bulletins dans un premier temps par la même personne. Et puis, compléter son bulletin avant de faire circuler l'urne et un dépouillement qui pourrait se faire de la même façon. Pour éviter toute confusion, peut-être qu'on pourrait enlever les papiers qui sont encore présents sur la table de dépouillement. Vous demandez à un des assesseurs de procéder et de mettre dans une poubelle. Je crois qu'on avait prévu une poubelle. On gardera les papiers, peut-être. Ouais, on va les garder Catherine, on va les garder. On les pose là. Thank you.
nous pouvons... On s'assure que tous les électeurs ont un bulletin. On peut procéder au vote. Le nom de liste est déposé, nous pourrons procéder au dépouillement dans les mêmes conditions si les assesseurs acceptent. Un bulletin, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Blanc. Blanc. Catherine Deniel. 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 Blanc. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Ah, celui-là. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Catherine Deniel. Blanc. Catherine Deniel. Donc nous pouvons procéder à la proclamation des résultats. Donc pour l'élection des adjoints,
obtenu donc 22 voix, la liste présentée par Catherine Deniel, et 5 bulletins blancs, aucun bulletin nul. La liste de Catherine Deniel est élue à la majorité absolue des suffrages au premier tour et sont donc déclarées élues. Première adjointe, Catherine Deniel. Deuxième adjoint, Michel Roland. Troisième adjoint, Sophie Chevalier. Quatrième adjoint, Francis Adnaud. Cinquième adjoint, Sylvie Lenné. Sixième adjoint, Olivier Foucrin. Septième adjoint, Mélanie Rio. Félicitations aux élus. Grandes applaudissements à les autres. Et donc, nous allons passer à l'affaire numéro 4, qui est celle qui porte sur la validation de l'urgence d'une délibération. Donc, le maire va rendre compte de cette urgence dès l'ouverture de la séance, pour que le conseil municipal se prononce par une délibération expresse et séparée des autres points de l'ordre du jour. Ce projet de délibération qui vous est soumis en urgence concerne les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. L'urgence est motivée par le fait qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il est impératif d'assurer la continuité des services publics municipaux. Vu la circulaire du 17 mars 2020 de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, relative à l'élection des conseils municipaux et communautaires, et des exécutifs et fonctionnement des organes délibérants, vu également la crise sanitaire liée au Covid-19, considérant l'urgence qu'il y a à délibérer sur l'attribution des délégations du conseil municipal, au maire, afin d'assurer la continuité des services municipaux, donc il vous sera demandé de valider ce caractère d'urgence. Bon, voilà, c'est un vote qui peut se faire à main levée et qui autorise du coup les délégations de signature au maire sur l'affaire suivante. Donc qui valide le caractère d'urgence de cette délibération en votant pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc avec les pouvoirs, la décision est adoptée à l'unanimité. Ce qui nous permet de passer à l'affaire numéro 5 des délégations du conseil municipal au maire. Ce sont des décisions qui seront assimilées à des délibérations. Ça veut dire qu'on devra transmettre, le maire devra transmettre en préfecture l'ensemble des éléments sur le titre du contrôle de légalité, de leur transcription au registre des délibérations, de leur affichage et de leur insertion dans les recueils des actes administratifs. Le maire aura aussi obligation à en rendre compte régulièrement au conseil municipal. Par ailleurs, le maire peut subdéléguer la signature de ses décisions à un adjoint ou à un conseiller municipal. De même, l'exercice de la suppléance en cas d'empêchement du maire doit être expressément prévu. C'est vrai que c'est important, ça signifie qu'en procédant de cette façon-là, quoi qu'il arrive ce soir, la personne en fonction aura la possibilité d'agir, de décider et de signer dès la prise de fonction. Et donc notamment, on arrête l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et on prend toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite des 20 000 euros. C'est-à-dire que la maire Marie-Dille Fauche avait cette possibilité-là jusqu'ici, et donc on assure la continuité de cette mission en déléguant au maire ses mêmes pouvoirs. Donc c'est aussi la possibilité de passer des contrats d'assurance et d'accepter des indemnités de sinistre, de créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, d'accepter des dons et des legs, et d'exercer le droit de préemption défini par le code de l'urbanisme.
C'est aussi la possibilité d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Voilà pour les éléments qui sont importants. Hein. Ça relève aussi, par exemple, sur les conséquences dommages des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux. Et enfin, le renouvellement au nom de la commune de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Donc, nous précisons que le maire rendra compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation et que la délégation ne saurait excéder la durée du mandat, hein, qu'elle est à tout moment révocable. Et donc, je vous demande d'autoriser le maire à subdéléguer la signature de ces décisions à ses adjoints titulaires d'une délégation dans la limite fixée par arrêté individuel. Voilà pour la lecture. On va procéder au vote. Donc, qui est favorable au vote des délégations du conseil municipal au maire ainsi décrit. Il n'y a pas de vote contre non plus. Abstention. Donc cette affaire numéro 5, donc délibération, est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. C'était la dernière affaire de ce conseil municipal d'installation, qui en effet est sûrement le plus formel d'entre tous, le plus solennel aussi, surtout dans les conditions dans lesquelles nous les vivons actuellement. Et pourtant, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter avant que je ne conclue la séance. Donc en l'absence de prise de parole, je ferai un mot de clôture. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce conseil municipal d'installation permet de poser les bases d'un nouveau mandat de 6 ans au service des Quévertois. Il pourra prendre appui sur les réussites des mandats précédents, et notamment sur le travail engagé par Marie-Louise Fauche, ses adjoints, ses conseillers délégués, et l'ensemble des conseillers municipaux. Ce travail s'est prolongé dans des circonstances exceptionnelles sur plus de 2 mois. Je tenais à remercier l'ensemble des élus du mandat 2014-2020, notamment ceux du bureau municipal qui ont honoré jusqu'au bout leurs responsabilités. Ce message s'adresse tout particulièrement à Marie-Louise Fauche, qui a consacré toute son énergie, et même un peu plus, à assurer la continuité du service public sur notre commune. Notre nouveau conseil municipal pourra compter sur les agents des services dont on connaît la compétence et les capacités d'engagement. Il pourra compter également sur notre volonté de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des élus, au sein des commissions comme en séance plénière. Ce message d'ouverture, nous l'adressons aussi aux communes voisines de Trélivant, Aucaloc, Corseul, Tadin et Dinan, avec lesquels nous souhaitons engager des coopérations renforcées. Nous avons montré notre attachement à la commune de Quévert, qui gardera son intégrité. Les derniers événements prouvent combien la proximité est essentielle pour répondre aux situations d'urgence et assurer l'indispensable cohésion avec les habitants. Mais nous savons également que c'est avec les communes voisines que nous renforcerons les services à la population, notamment les services publics, et que nous trouverons les synergies pour avancer. C'est dans cet état d'esprit que nous poursuivrons les projets avec Dinan Agglomération et que nous prendrons une part active dans la construction du parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude. Nous mesurons également les enjeux qui nous attendent. Ils s'inscrivent dans une nouvelle phase de réponse à la crise sanitaire. Une période durant laquelle nous aurons à nous protéger collectivement, dans la durée, en reprenant progressivement nos activités. Cette reprise de l'activité concernera tous les domaines, économiques, éducatifs, sportifs, culturels, citoyens. Notre commune accompagnera, autant que les dispositions légales et les recommandations sanitaires le permettront, la reprise de l'activité des services, des associations, des commerces qui utilisent les équipements ou les espaces publics. Nous avancerons par étapes et en concertation avec méthode. C'est ainsi que nous contribuerons à redonner confiance aux différents acteurs, notamment ceux qui agissent en période estivale, culture, tourisme, animation, jeunesse. Pour ce faire, nous devrons être immédiatement opérationnels, en mettant en œuvre le programme présenté aux Quévertois pendant la campagne. En effet,
les axes de coopération intercommunale, de cohésion sociale, d'implication citoyenne et de transition écologique sont plus que jamais d'actualité. Dès demain en mairie, avec les adjoints nouvellement élus et les conseillers délégués rapidement nommés pour une mission limitée dans le temps, nous saisirons des dossiers importants en fonctionnant sur quatre pôles. Au pôle cohésion sociale, Catherine Deniel, adjointe aux solidarités et à l'action sociale. Sylvie Lenné, adjointe en charge de l'éducation, de la jeunesse, de l'animation sportive avec Mélanie Léguet, conseillère déléguée, qui assurera aussi la mise en place du règlement intérieur et de l'utilisation de la salle Omnisports. Au pôle coopération, Francis Attenot, adjoint en finance et à l'urbanisme, et Mélanie Rio, adjointe en charge de l'administration et de la communication numérique. Au pôle implication citoyenne, Sophie Chevalier, adjointe à la communication et à l'implication citoyenne, et Marie-Laure Michel, conseillère communautaire, membre permanente du bureau municipal et conseillère déléguée à l'animation culturelle en lien avec la bibliothèque. Au pôle transition écologique, Michel Roland, adjoint aux mobilités, aux réseaux et aux espaces verts. Olivier Foucra, adjoint au bâtiment et à la transition énergétique. Avec Dimitri Géa, conseiller délégué pour le suivi du déploiement de la fibre optique et des réseaux électriques. Nous comptons également sur l'implication de tous les élus municipaux qui participeront à la mise en place des commissions municipales lors du prochain conseil programmé mardi 2 juin. Ainsi, comme le montre le conseil de ce soir, il est nécessaire et possible de faire vivre la démocratie locale, indispensable aux prises de décision. Nous savons que le contexte rendra ce début de mandat difficile. Des travaux ont été retardés, des dépenses ont changé de destination, des modalités de travail ont dû être adaptées. Nous abordons ces questions avec lucidité. Les contributions de chacun seront utiles. Comme souvent, face aux situations inédites, les groupes humains savent faire preuve d'imagination et de capacité d'adaptation insoupçonnée. Développement des circuits courts, mobilité douce, nouvelles formes d'échange et de communication ont ainsi émergé. Notre commune a de la ressource. Elle saura mettre en œuvre des solutions nouvelles en cohérence avec la transition écologique. Le cap est fixé, coopérons et avançons pour Quai Vert, ensemble. Je vous remercie.